gens comme toi. Ça c'est pour les gens comme toi. Dommage mon frère, il y a même des gens qui s'attendaient pas du tout à ça, je suis sûr qu'ils ont joué leur baffe. Parce que comme le dit l'album, il est appelé discret. Mais je pense que c'est un mec talentueux et que dans l'album on se rend compte qu'il est pas si discret que ça. Parce qu'il se lâche complètement, que ça reflète complètement sa personnalité. Le son, on va dire qu'il n'y a que du gros son. Je veux dire, n'importe que ce soit un thème triste, rythmé, dansant ou hardcore. C'est que du lourd. Ouais. Voilà, c'est le nouveau temps pour Mafia Quimfri. C'est le dernier album en date. C'est du label frénésique. C'est du label Mafia Quimfri. Et on va dire aux gens que c'est que le début. Tu vois ? Parce que ça arrive derrière. Moi-même, je reviens en octobre. Et tous ceux qui croyaient me connaître vont me découvrir. OGB. C'est pour Ami. Et il y a un track caché sur l'album d'AP1. Il est trop violent. C'est pour ça qu'il est caché. Il est trop violent. Faut écouter jusqu'au bout. L'album magnifique, rien à dire. Un très bon album. Très lourd et moi je suis fier de lui pour tout ce qu'il a fait. Il a bien taffé, il a écrit, il a choisi de bonnes prod, il était bien entouré de toute façon avec Rimka à côté, Mouche, Mokobé, toute l'équipe frénétique. De toute façon ça pouvait être qu'un album lourd. Et t'as participé? Non, j'ai pas participé directement, j'ai pas posé sur l'album, mais j'ai soutenu, j'ai toujours été là. Toujours avec lui, et voilà. Le N3 dans l'ensemble au Kobe du 113, ouais. Africa is the future, on est là. L'album d'AP, discret, donc voilà. Okay. C'est du très très lourd, donc voilà. Il y a eu l'album Rimka, il y a eu l'album Mokobé, maintenant c'est l'album d'AP. Donc voilà, on est très contents, c'est un gros album, c'est du lourd, c'est une concrétisation, donc on est là, on soutient à 4000%. Voilà, okay. Donc l'album, tu peux retrouver plein d'invités, notamment 113. On est dessus, il y a Sizzla, l'un des plus grands de la dancehall. Il y a Despo Roti, il y a OGB, Dry, il y a du lourd, Léa Castel, Jimmy Sissoko. Donc voilà, c'est un album qui est très très complet. Et il y a plein de choses qui vont arriver, des vidéos, des trucs. Maccabi United, ça arrive bientôt, ça va être lourd. Le 113, ça arrive fin 2009, ça va être lourd. On est ensemble. Voilà. N'oublie pas, c'est ça le plus important. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà, c'est du lourd. C'est très lourd, c'est l'album de mon pote. J'ai travaillé avec lui, j'étais au studio souvent avec lui. C'est un très bon album. Bon boulot. J'espère que tu l'as. C'est mon. Mon frère, je l'ai vécu, je l'ai transpiré cet album, mon frère. Jour et nuit. J'étais avec le poteau. On s'est chargé de le rebooster quand il avait des coups de mou. C'est chargé de. Derrière, parce que c'est normal, entre nous c'est comme ça, on est des frelons, donc on se soutient. Donc voilà, l'album très 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 lourd. Franchement, personne ne peut parler. Et puis en même temps, t'as vu, sinon on est encore là, c'est que voilà, c'est que les gens ils soutiennent, c'est que les gens ils pensent qu'on a des choses à dire et qu'ils se reconnaissent dans ce qu'on dit. Donc voilà, après 10 ans de carrière, toujours là, toujours au fichier. Ben ça s'est fait de la manière la plus simple qui soit, et déjà bon, on a pris contact avec lui pour savoir si ça t'intéressait de poser sur la version remix. Et puis donc là il est venu au studio, il s'est appareillé l'instru, et tout, on lui a dégagé un petit peu de place pour qu'il puisse poser, il s'est enfermé avec la musique. Il s'est remis un petit peu dans l'ambiance des assises, il a replongé dans le zoo, puisque bon, il est d'origine européenne comme moi-même. Et donc en fait, bon, petit à petit, il a construit son histoire, il s'est mis dans le dièse, et puis ça a donné la version qu'on connaît, qui est maintenant sur son album. Ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Ouais, c'est spontané, puisque bon, le zoo R&B, voilà, c'est le zoo de la cité, c'est le zoo de la rue, voilà, c'est le zoo de la nouvelle génération, et il se permet à chacun de toute façon de trouver ses marques. Voilà. Ok, et puis acheter l'album d'AP. À l'Olympia le 22 mai avec AP. C'était un gros album attendu parce que c'était le troisième membre du 113 qui n'avait pas sorti encore son solo. Et franchement, pas déçu. Tous ceux qui aiment les sons, alors il n'y a pas que le son, je suis dit, des sons aussi un peu plus peut-être street pour certains. Donc voilà, c'est un album que je conseille, l'album qu'il faut avoir pour 2009, l'album d'AP du 113. Moi, je suis satisfait, hein, frère, sinon je n'aurais pas sorti. Voilà, comme je dis. J'étais au bout de mon but. Voilà, je sais que cet album, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient. Ça fait déjà un bon moment. Voilà, maintenant il arrive en 2009. Il est dans les bacs, ça fait plaisir.
que des bons retours, il s'appelle Discret, et voilà, j'en suis que fier.